Hey yo, bien salut tout le monde, c'est Fintex, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour un peu, j'ai vraiment super bien. Comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite Battle Royale pour une vidéo présentation de mon casier. Comme d'habitude, si vous souhaitez me soutenir, vous faites soutenir un créateur. Et là, vous rentrez mon code créateur, moi Fintex, dans la boutique Fortnite. Du coup, vraiment, je remercie toutes les personnes qui le font. Vraiment, ça fait vraiment super plaisir. Si vous voulez simplement me soutenir dans la boutique Fortnite, vous êtes simplement me soutenir durant 14 jours. Comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, aujourd'hui simplement vous présenter tout ce que j'ai pu acheter depuis la saison 1 de Fortnite Battle Royale, sachant que je joue depuis la saison 1 depuis du skin chevalier noir. On va simplement débuter mon casier avec simplement les emotes, tout simplement toutes les emotes que je possède. La plupart j'ai pu acheter avec le temps, ou cette la plupart j'ai tout simplement les obtenus grâce au Battle Saison. Voilà, j'ai posté vraiment pas mal de emotes que j'ai pu acheter moi-même. Les emotes qui coûtent 800 V-Box, que tout le monde connaît, les emotes vertes. J'ai posté le Steel Ninja, vraiment il est super beau. Le Electro Swing, voilà les emotes que j'ai pu acheter, etc. etc. Et du coup, tout simplement, on va simplement passer aux revêtements. Des armes, voilà, j'ai posté pas mal de revêtements. J'ai posté juste un revêtement que j'ai pu acheter moi-même. C'est le Magma qui est tout simplement avec le volcan. Moi, j'ai vraiment trouvé super beau pour la saison 9. Je pense que c'est la saison 9 avec le volcan, tout ça. On va tout simplement passer aux traînées de condensation. Les traînées de condensation, voilà, je possède tous les traînées de condensation de base des Battle Pass. Pour ceux qui connaissent, voilà, depuis la saison 1, je pense que les traînées de condensation sont sorties à partir de la saison 5 ou 4, je ne me souviens plus. Les planeurs, j'ai possédé pas mal que j'ai pu acheter moi-même, comme le Faucon qui coûtait 2000 V-Bucks. Le Aurore que j'ai acheté tout simplement avec le pack Xbox pour tous les gens qui connaissent. Le Démon Disco, le planeur vraiment super rare, qui est tout simplement avec le skin du démon, le démon disco. Le Mako que tout le monde souhaite avoir, le planeur le plus rare du jeu. Je pense que c'est le plus rare, ou sans c'est le deuxième plus rare. On va tout simplement passer aux pioches. Aux pioches, je possède vraiment pas mal de pioches que j'ai pu acheter moi-même. Voilà, comme la boîte sans soif, la fulgurante du chevalier noir, elle est vraiment super belle. Moi, j'utilise vraiment presque le temps la boîte sans soif que j'ai pu acheter moi-même. Et après, tout simplement les autres pioches et des Battle Pass. J'ai pu même acheter la pioche du le bouseux pour tous les gens qui connaissent avant de jouer avec ça. Elle est vraiment super beau, mais par contre, le bruit, j'aime pas trop. C'est pour ça que j'utilise moins. Le résonateur qui est simplement avec le pack Xbox. Après, toutes les autres pioches et les pioches normales de base, quoi. Après, les accessoires de dos, j'ai possédé tous les accessoires de dos, de skin au pouvoir, tout simplement que je possède pas mal d'accessoires de dos. Les ailes purées, voilà, simplement avec le skin ange. Le bouclier du chevalier noir, il est vraiment super beau. Moi, j'utilise vraiment presque tout le temps. Avec les skins, vraiment, ça donne vraiment super bien. Et après, tout simplement, les autres, c'est simplement des Battle Pass. On va tout simplement passer au skin, le sujet de la vidéo. Je sais, je possède vraiment pas mal de skins. Je possède pas un milliard de skins comme la plupart des gens peuvent penser. Je possède des skins que j'ai pu acheter moi-même. Voilà, le skin le Molos en feu, la Fagari en feu, voilà, et le chevalier noir. Enfin, tout simplement les autres skins, c'est que j'ai pu acheter ou sinon obtenir grâce au Battle Pass. Grâce au Pass Saison, pas le Battle Pass, j'ai confondu avec Black Ops 4. Voilà, j'ai posé vraiment pas mal de skins, le Ime. Voilà, il est vraiment super beau. J'ai posé vraiment pas mal de skins que j'ai pu acheter moi-même, comme je vous l'ai dit. Le Kylo Ren, il est sorti il y a pas longtemps, il est vraiment super beau. La tenue de Star Lord, ça vraiment, ça allait super bien avec la collection Star Wars. Voilà, et le skin de Fintex, voilà, pour ceux qui connaissent, normal, le God Machine Tube, le skin Harlequin, voilà, moi je l'aime vraiment, c'est mon skin à moi, c'est le skin de Fintex, non je rigole. Du coup après on va passer aux autres skins. Voilà, j'ai possédé des skins de Naruto, j'ai pu prendre la fille et la femme et l'homme, voilà, le skin masculin et féminin. Après, tous les autres skins, c'est que j'ai pu acheter normalement, voilà, les potes. J'ai pas vraiment pas trop de skins, j'ai pas pu acheter tous les skins de toutes les boutiques parce qu'après ça revenait vraiment très cher. En tout, pour tous les skins, je pense c'est 16 000 euros ou 20 000 euros, je me souviens vraiment plus trop. Et ce skin là, il est vraiment super rare, il est pas trop sorti dans la boutique Fortnite, je l'ai pas trop vu. Le poisson Sky, je possède pas le nouveau revêtement parce que j'ai pas eu le temps quand il était sorti, voilà, j'étais pas chez moi. Du coup, après les autres skins, là, le songe est vraiment super beau avec son planeur qui va vraiment super bien. Et du coup, voilà, je pense qu'on a vraiment fait le tour de mon casier Fortnite. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que je ne possède pas un énorme casier, mais je possède vraiment comme des petits skins. Comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui me soutiennent dans la boutique Fortnite avec mon petit créateur Fintex. Ça fait vraiment super plaisir, les potes. Et voilà, en tout cas, vraiment, j'espère que cette présentation de skins de mon casier Fortnite vous aura plu vraiment pour voir simplement que j'ai possédé vraiment pas mal de skins. Les icônes de manière, je pense que tout le monde s'en fout. Et voilà, c'était Fintex. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Moi, c'est simplement bonne game tout le monde. Allez, bye!